Coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec une collaboration avec la boutique Brico Scrap. Vous savez très bien que je suis en collaboration avec Tony de la boutique Brico Scrap. Et cette fois-ci, j'ai choisi une petite collection trop sympa et automnale. Je vous montre ça tout de suite, sans plus tarder. On va ouvrir ensemble le colis. J'ai juste coupé ici et c'est tout. Du coup, on va voir et j'ai mis ça. Comme ça, on va cacher l'adresse et le reste. Et maintenant, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur. Et voilà, on trouve du papier. Non, je rigole. C'est du papier craft, moi je garde parce que je peux utiliser dans mon junk journal. Là, waouh. On a ici, hop, le petit papier. Merci Angela, bon scrap. Je pense que si vous voyez ça, vous imaginez un peu la collection qu'on va travailler ensemble. En fait, vous avez un code promo Angela Saint Flower et avec ce code, vous avez 10% de réduction sur toute la collection Saint Flower de Stamperia. Je vous montre comme ça, mais de toute façon, je vous mets le code dans la barre de description comme d'habitude avec le lien de la boutique et le lien de chaque article. Et oui, on va travailler ensemble la collection Sunflower de Stamperia et j'adore. Hop, ça, on va récupérer. C'est une collection franchement magnifique. Moi, j'adore cette collection. Quand j'ai vu sur la boutique, je dis waouh, ça, oui. Il faut que je scrape ça parce qu'il est magnifique. Là, on va voir qu'est-ce qu'on a. Hop. On va tout mettre à côté, le carton par terre. On va sortir ça. Et on va commencer tout de suite. On a un petit gâteau avec du chocolat. Ça, c'est parfait pour le goûter. Avec une petite café. Parfait. Tous les deux, ils vont très bien ensemble pour le goûter. Après, ici, on a les die cuts de la collection. On va faire comme ça et on va regarder petit à petit à tout. Je vous montre tout de suite les die cuts. Waouh, on a plein de choses. Franchement, magnifique. On a plein de petits feuillages, des fleurs, des papillons, des pinsons, un peu tout de la collection. Voilà. On va zoomer plutôt. Pour les die cuts et après on va voir pour le reste. Voilà ça, on a des tournesols, un petit cheval ici, encore des tournesols. On va faire un petit chien, la voiture. Franchement, on va faire un magnifique album avec cette collection. Cette fille, j'adore. Et encore plein de die cuts comme ça. Une maison et ici un petit magasin. Voilà, on a tout ça comme die cuts. On a plein, franchement, on a vraiment beaucoup. Après, on a des cartes. Cartes collection. On a tout ça à l'intérieur. Cette carte, 5 tags et un bookmark. On va voir tout de suite. C'est la première fois qu'on je vois pour une collection ça. Du coup, je me suis dit, je les prends comme ça, je l'utilise direct à l'intérieur. C'est avec un grammage de 250 grammes. Et on a le marque-page. Ça, franchement, je pense que je veux garder pour utiliser avec mes livres. Je pense que je ne veux pas utiliser dans l'album. Comme ça, je l'utilise avec les livres. On va voir. Je rigole, on va voir. Ici, on a un petit tag comme ça. Ici, pareil. Ils sont déjà perforés comme ça. On peut mettre une ficelle. Des très jolis tags. Après, on a des petites cartes comme ça. Mais elles sont magnifiques, franchement. Sublime. Franchement, avec cette kit, on peut faire même un junk journal. On a une grosse carte comme ça.
On a une comme ça. Sublime, sublime. Non, franchement, ça, on peut faire même un junk journal avec parce qu'on peut facile utiliser tout. Pour faire du journaling, ça, c'est top. C'est vraiment top et c'est trop beau. Regardez-moi ça, comme c'est bon. Waouh, il est sublime, 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 sublime. J'aime beaucoup. Je pense que je veux prendre encore un bloc 30-30 et un kit comme ça des cartes pour faire un junk journal sur le même thème. Parce que j'adore les tournesols. J'adore cette période. Du coup, je suis sur les junk journal automnal au maximum. J'ai pris 3 blocs 20-20 et un bloc comme ça 30-30. Je vous montre ça après les blocs. Juste, je vous dis tout de suite. J'ai pris 40 pages A4 blanc 216 grammes de la marque Florence. J'ai tout ça, 4 lots. Parce qu'il y en a 10 à l'intérieur et j'ai 4 lots. On va travailler sur du blanc. Je veux dire comme d'habitude, j'aime beaucoup travailler sur du blanc. 2 cartonnettes. D'une épaisseur de 1,5. C'est la épaisseur que je travaille tout le temps. Je travaille cette épaisseur. Et un lot comme ça de 20 cartstock de 216 grammes. Toujours la marque Florence. 30,5 sur 30,5. Et la couleur, c'est Craft Dark. Et moi, je dis qu'il va très bien avec cette collection. Et avec le blanc, ça va être magnifique. Voilà, ça c'est pour les papiers unis. Et là, j'ai des aimants N42 qui sont franchement the best. Les meilleurs aimants, c'est ça. Ça tient super bien, super, super bien. Et maintenant, on va voir le bloc. On va regarder le 30-30. J'ouvre. Et on va regarder tout de suite. Oh là là, comme il est beau. Oh là là, comme il est beau. Franchement, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, oh là là. Là, on peut utiliser vraiment tout. Saint unique, fantasy, wow, refresh. On peut utiliser tout. Même les petites bandes ici, on peut utiliser. Tous ces tags, toutes ces petites étiquettes sont magnifiques. Et regardez-moi ça. J'adore. J'adore. J'ai même pas envie de couper. C'est tellement bon que j'ai pas envie de couper. Même le dos, il est super sympa. Ça, oh là là, ça, c'est vraiment waouh. Sunflower and art. Tournesol et art. Waouh. Vraiment waouh cette collection. Il est vraiment très 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 joli. Même cette page, elle est super 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 sympa avec tous ces petits carrés colorés différemment. Là, la maison avec le linge d'or. Toute colorée, toute mini. Cette page, par exemple, on peut même utiliser, couper chaque bande et utiliser séparément. Celui-là aussi, il est magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Mais c'est d'une beauté. Ça, par exemple, si on va utiliser que ça, en fait, on en a fait la couverture. Sans mettre du déco à côté, mettre que ça et c'est bon, on a fait la couverture. Mais on a plein de pages comme ça. Où on peut utiliser que la page. Comme ça, on fait une très belle couverture. Trop beau. Regardez-moi les cartes comme sont belles. Waouh, magnifique. Sur le dos aussi, c'est trop beau. Les tags aussi. Trop, trop, trop beau. Et les découpes aussi. Sublime.
Vraiment sublime. C'est une très 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 jolie collection. J'adore, 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 j'adore. En fait, ça, c'est la collection qu'on va travailler à partir de demain. On va commencer un album avec et on va faire les tutos ensemble comme d'habitude. Et on va faire de très belles choses comme d'habitude ensemble. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes attaqués pour prendre la collection et travailler ensemble. N'oubliez pas que vous avez le code promo. Il est valable une semaine après la dernière vidéo. Une fois que j'ai mis en ligne tous les tutos avec la présentation et tout de l'album, vous avez encore une semaine pour utiliser le code promo pour cette belle collection. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour commencer cette belle aventure avec cette belle album ensemble. Avec cette belle collection ensemble. Et oui, maintenant que je vois la collection comme ça en vrai, je pense que je vais prendre encore un pour faire un Jack Journal aussi parce que je le trouve trop beau. Vraiment trop, trop, trop beau. Plein de bisous et à demain. Bye bye!